Ah, partez, non? Madame. Ah, madame. Partez, non? Ah, ah. Hey! Cette femme doit avoir quelque chose qui la dérange. Il n'y a personne qui peut me le dire encore. Ah, ah! Elle ne fait que perdre sa mémoire à tout moment. Hey! Est-ce que cela me concerne? Je l'efface de ma mémoire. Une célébrité que je suis. Hey! Oh, mon ami! Bon après-midi, maman. Angèle, comment était l'école aujourd'hui? Très bien, maman. Ok, tu es la bienvenue. Tu sais, je voulais te demander, ta fille a quel âge? Oh, Ange, oui. Elle a 9 ans. Pourquoi est-ce que tu demandes? Ça me dérange beaucoup. Est-ce que toi et ta femme ne voulez pas avoir un autre enfant? Mon frère, vraiment c'est une longue histoire. Ma femme, après avoir donné naissance à ma fille Angèle, elle avait connu une sérieuse complication. Et les docteurs nous avaient demandé qu'ils ne conçoivent plus. Monsieur Desmond, je ne suis pas non seulement le docteur de ta famille, je suis également ton frère. Alors, je ne suis pas venu pour partager un verre. Je suis venu partager avec toi une expérience médicale. Docteur, vous m'effrayez. Ta femme avait gardé la grossesse jusqu'à sa fin, mais cette fois-ci, elle ne va plus la garder. Docteur, que voulez-vous dire? C'est que je veux dire que réellement, si tu aimes ta femme, ne la rends plus grosse. C'était absolument un miracle pour la sauver. Alors, dès lors, ma femme et moi, il faut éviter de faire autre chose, juste pour respecter la décision du docteur. Elle ne peut pas avoir un autre enfant. Je suis touché de ton histoire. J'en suis désolé. Mais, étant un Africain, c'est quoi ton plan? Honnêtement, Chux, je ne sais pas. À ce point, je ne sais pas vraiment, mais je sais que j'ai besoin d'un autre. Alors, tu as besoin d'un autre enfant, comme tu viens de le dire, alors tu dois te trouver ailleurs. Peu importe ce que tu feras, sois sûr que cela n'affectera pas ton amour envers ta femme. C'est sûr. Merci, je t'en prie. Arrivons un peu là-bas.
C'est vraiment un cas qui arrive presque à tout le monde. Il faut chercher la solution ailleurs. Faisons un tour de l'autre côté. Mieux, maman, et toi? Je vais bien, tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as aussi manqué, maman. Oh mon Dieu. Donc, tu es. C'est comment là-bas? Tes études avec maman, IL. NYS. C'est ça, t'as J'ai fini. fini. Ta fille est maintenant graduée. Et maintenant, je vais Ma voir tout fille ce que intelligente. Sois la bienvenue. Merci, maman. Bon, premièrement, hein? Hein? On doit d'abord faire rentrer tout ça. Et nous irons remercier l'Éternel, notre Dieu, d'avoir permis à ce que tu termines tes études en paix. Tu vois, ça n'a pas été facile, ma Oh, fille, la hein? grande maman. Ouais? Je te crois. Viens d'abord, on doit parler entre mère et fille. Vraiment, ma fille. Oh, Ah, je suis très contente pour maman. toi, oh. Merci. Hey, ma fille, bon retour, hein? Maman, pourquoi est-ce que tu as ce visage? Ma chérie. Oui, maman. Connais-tu quelque chose de spécial sur moi? Tu es une femme aimante et attentionnée. Et il voit aussi à travers les hommes forts. Pour savoir de quel côté ça marche pas. Maintenant, parle-moi. C'est quoi ton problème? Hein? Maman, je peux te poser une question? Oui. Pourquoi pas? Vas-y. Es-tu enceinte, maman? Je crois que je le suis. On part maintenant. Entrez. Approche ici, bébé. Tu devais te reposer. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. C'est pourquoi je suis là. Pourquoi? Je veux résoudre une chose. Résoudre quoi? Maman, je n'ai jamais réussi à te mentir. Et quand je l'ai fait, tu l'as toujours découvert, ce qui prouve ton intelligence et ta beauté. Ok. Et je pense que je l'ai hérité de toi. Quand tu m'avais dit que j'aurais une petite sœur, je croyais comme si tu mentais. Il y a 2 mois que tu m'as dit que tu enseignes, alors que lorsque j'avais 8 ans, tu me disais que j'étais la seule enfant. Oh. Je non, suis non, 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 non. désolée. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Je crois que c'est le moment de te dire la vérité. Pour avoir un enfant, j'ai eu des complications. Je t'ai donné naissance avec une intervention de césarienne. Personne n'avait la certitude que j'allais vivre, ni toi. Et je remercie Dieu parce que nous avions survécu. Après l'opération, le docteur m'a averti de ne plus tomber enceinte. Sinon, je mourrai. Tu vois, tu es notre fille, pas seulement notre fille, mais notre enfant. Notre tout, notre fils, notre fille et notre espoir. Ça, c'est pourquoi nous avions décidé de te donner une meilleure vie. On t'aime beaucoup. Je vous aime aussi, Je maman. t'aime. Tu es notre espoir. Tu es tout pour nous, ma fille.
Oh. Maman. Ma chérie. J'ai tout pour nous. Ange, est-ce que tu vas bien? Papa, je t'aime. Ange, je t'aime également. Dis-moi. Papa, j'allais juste te dire que je t'aime. Qu'est-ce qui ne va pas avec Ange? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Je lui ai juste dit la vérité sur mon impossibilité de tomber enceinte. Qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as dit pourquoi? Elle est très curieuse. Je n'avais plus le choix. Je ne pouvais que lui dire la vérité. Je lui ai toujours menti. Et elle est très intelligente. Aujourd'hui, elle m'a harcelée et je ne pouvais que lui dire la vérité. Pas de problème. Ça va. Rassure-toi juste qu'elle aille bien. Moi-même, je vais le parler. Ça va bien. Ange, je suis désolé. Ta maman m'a tout dit. Je suis désolé comme nous ne te l'avions pas dit depuis longtemps. Mais nous voulons que tu saches que nous sommes très fiers de toi. Tu es le meilleur enfant du monde entier. Maman, papa, merci de me montrer votre amour. Je vais vous rendre fière, je vous promets. Viens par là. Nous sommes fiers de toi. Nous t'aimons. Je vous aime aussi. Chérie? Oui, chérie. Apporte la surprise. Vous m'avez réservé une surprise? Oui. Il y a quelque chose pour toi, mon ange. Oh, je vous aime beaucoup. Oui, ma fille, je t'aime beaucoup. Honnêtement, maman, je ne te comprends pas. Faut dire à Sophia d'être clairvoyante. Jessica, je ne veux pas interférer dans son mariage. Je ne t'ai pas demandé d'interférer dans leur mariage, maman. Je voulais dire juste qu'elle renvoie cette fille loin d'elle, non? Sinon, elle deviendra sa rivale. C'est très compliqué. Desmond m'a assuré qu'il n'aura jamais une deuxième femme. Et tu le crois? Et alors? Hé, maman, Desmond est un vrai homme africain. Écoute ce que je t'ai dit. Oublie ce qu'il t'a dit de sa bouche. Non. Arrêtons d'avoir cette discussion, je t'en prie. Pardon. Parle-moi de ton fiancé. Quand est-ce qu'il viendra ici pour voir la famille? Les jours passent si vite, oh. Je vais en ville pour le rendre visite et nous allons en discuter quand je serai là-bas. Il vous faut une discussion? Vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à présent? Nous l'avions fait, mais il avait dit bientôt. Hey, c'est très compliqué, hein? Ma fille bien-aimée. Maman. Jessie, ma fille. Maman, tia Sophia. Jessica. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est fille. Ça. Tire-la les oreilles, je suis pas contente. Bonsoir, madame. Tu vas bien? Bien, madame. Je lui amène ça. Ok. Va arranger là-bas, comme ça j'amène ça. Ok, madame. Maman? Oui, chérie? Pourquoi tu ne permets pas à Tantine Titine de préparer la nourriture pour nous tous? Je ne prépare pas bien? Bien sûr que oui, mais quand tu reviens du boulot, tu es tellement fatiguée. Il faut la laisser qu'elle les fasse aussi au lieu que vous les fassiez. Ma princesse, quand tu grandiras et te marieras,
Il ne faut pas permettre à une autre personne de préparer la nourriture de ton mari. Excepté quand c'est vraiment nécessaire, ok? Si notre femme prépare pour mon mari, va-t-elle prendre mon mari? Mange. On ne parle pas quand on mange, ok? Je pense que tu as aimé ta nourriture. Oui, bien sûr. C'est vraiment délicieuse. Merci. Quelque chose qui existe, B. Peu importe cela, je verrai quoi faire. C'est ça, messieurs. Patron, il y a une autre chose que je peux faire pour vous. Vraiment pas maintenant. Ok. Viens un peu. Patron. As-tu mangé? Oui, oui, je suis vraiment rassasiée. Tu peux partir. Ok. Bébé. Tu pars déjà au boulot. S'il te plaît, tu peux récupérer Angèle à l'école lorsqu'elles vont terminer. C'est ça, bébé. C'est également ma responsabilité. Merci, mon amour. Tu sais, merci. Je suis content quand je te vois sourire. J'ai toujours ce sourire sur mon visage. Ça fait longtemps que tu ne souris plus. Je veux bien. Hein? Passe une bonne journée. Je t'aime bien. Bonne journée, chérie. À toi aussi, bébé. Bye. Je dois continuer avec le travail. Ok. Maman, tu vas bien? Je vais bien. Es-tu sûre? Oui. Cette femme s'inquiète ces derniers temps.
Hein? Cette femme, elle est inquiète et elle est pensive. Elle pense trop. C'est quoi son problème? Eh ouais! Madame, c'est mieux de te calmer, oh! Parce qu'il y a une chanson que les gens chantent disant: les problèmes ne finissent pas. Essaye de te réjouir. Maman, pourquoi rester debout? Assieds-toi, non? Non, je ne m'assois pas. Hein? Ce que tu mets sur ton visage là en faisant... Ce n'est pas encore suffisant? Maman, je pars en ville. Je dois être jolie. Si tu arrives là-bas en ville, ne fais pas chez ta soeur, ça c'est des problèmes, oh. Tu m'as bien compris. Pas de troubles, pardon, oh. Maman, ne t'en fais pas pour mes troubles, oh. Je n'irai pas dans sa maison. C'est elle qui viendra me rendre visite dans la maison de mon fiancé. Et je vais profiter de lui dire ce que j'ai à dire. C'est mieux, oh. C'est mieux. S'il te plaît, ne cherche aucun trouble là-bas, je t'en prie. Je te dis que ça suffit, non, hein? Regarde un peu, il y a un très grand soleil. Maman, sois calme, non? Je contrôle, ne t'en fais pas. De plus en plus, tu le mets, tu sors comme Caraba la sorcière, tu ne vois maman, pas? Maman, un jour, je vais t'appliquer tous ces make-up. Faire quoi? Juste te maquiller, un jour, je vais te mettre tout ça. Je vais te mettre le fond de teint, le maquillage, tu seras sublime. Ne me dis pas des bêtises, n'ose pas me mettre ces bêtises, oh. Maman, ça suffit, j'ai déjà dit non. Maman, quand tu vas dormir, c'est au moment où je vais mettre ça. Et quand tu vas te réveiller, tu vas aimer. Aïe, mon Dieu, oh. Tu peux déjà partir. Tina? Tina? Patron, j'arrive. Viens, s'il te plaît. Comment Monsieur, ça va? Je Est-ce veux que bien, tu es occupé? Non, ok, accompagne-moi au chantier. Il y a quelque chose que je vais te donner. Tu me les ramènes à la maison. Ok, maintenant? Oui, maintenant. Prépare-toi. Permettez-moi juste de prendre mon sac. Ok. Je t'attends à l'extérieur. Alors, tu n'étudies pas pourquoi? Patron, c'est une longue histoire, oh. Tu n'as pas encore répondu à mes questions. Ok. Ça fait vraiment un long moment. Je prenais soin de moi toute seule pour les études et je cherchais de quoi me nourrir. Quand j'ai atteint un certain niveau, je compris que il serait mieux que j'abandonne les études pour trouver un travail pour que je puisse vivre mieux. C'était comme ça. Ok. Je suis totalement désolé pour ça. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu as l'intention de rentrer à l'école? Tu l'as? Oui, mais c'est encore difficile pour moi. Ok, ça va. Je vais voir ce que je pourrai. Tu sais que tu es belle. Tu ne mérites pas être bonne. Je t'en prie. Salut, qui es-tu? En me posant cette question, qu'est-ce que tu fais dans la maison de mon homme? Si tu veux savoir, je suis bel et bien sa fiancée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as tout compris. Bébé? Comment vas-tu? Bébé, t'es là? Bébé? Dis-moi que ceci est une blague. Bébé, s'il te plaît. Mets-toi, je vais tout t'expliquer. Je ne suis pas là pour m'asseoir. Bébé, tu n'as rien à expliquer. S'il te plaît. Écoute, ma chérie, comme tu peux bien le voir, je suis bel et bien... Arrête le bêtise que tu fais. Tu me bouscules? S'il vous plaît, on se marie ça. Très bientôt et je suis bébé, aussi enceinte bébé. De lui. Elle est enceinte de toi?
Bébé, calme-toi d'abord. Je maudis le jour où je t'ai rencontré. Oublie-moi. Bye. Bébé. Mais regarde-moi. Chérie, s'il te plaît, calme-toi. Hein? Je suis là pour toi. S'il te plaît, arrête ça, s'il te plaît. Je suis désolée, d'accord? Tina. Oui, patron. Rentre avec ça. Tu vas prendre l'argent là-bas pour payer les taxis, ok? Le prendre ici? Oui. Merci, monsieur. Je t'en prie. Sois prudente. Ok. Au revoir, monsieur. Elle est belle. C'est ma femme qui est le problème. Je ne veux pas choquer ma femme. Tu sais, je ne vais pas me répéter en disant comment tu vas gérer ta famille. Si tu ne penses plus continuer avec ta lignée parce que tu penses que tu vas choquer ta femme, ainsi soit-il. Ça va. Bob, viens s'il te plaît. S'il te plaît, est-ce que le ferrailleur est là-bas? Non, monsieur. Dès qu'il revient, dis-lui d'enlever ses portails de là, ok? Princesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air très triste. C'est fini entre David et moi. J'ai constaté qu'il est en train de faire des jets. Je ne comprends pas. David a rendu notre fille grosse. Et d'ailleurs, ils vivent déjà ensemble. Quoi? Est-ce que c'est vrai? N'es-tu pas en train de blaguer? Ma chère, calme-toi. J'en ai fini. Tout ce que je veux, c'est la maison. Ok. Où sont tes affaires? À l'hôtel. Pourquoi rester à l'hôtel alors que j'ai une maison? La maison de ton mari. Permets-moi d'être franche avec toi. Je ne suis pas à l'aise dans ta maison. Pourquoi? La dernière fois que j'étais chez toi, le mal allait arriver. Alors, j'avais constaté quelque chose. Je suis franche avec toi. Tu vois les hommes? Ont les yeux dans ce que nous appelons nos bonnes. Refuse pas. Tu affirmes des choses que tu ne comprends même pas. S'il te plaît. Je veux juste une maison. J'ai une maison. Ok? Oui? C'est qui? Un instant. Attends. Ah, Tina, tu es rentrée? Tina. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Tina, je t'envie un peu, hein? Je ne comprends pas de quoi tu me parles. Tina, dans cette maison, tout le monde t'aime. Madame t'aime. Sa fille aussi, elle t'aime. Moi-même, je t'aime. Oh. Mais je peux clairement dire que notre boss t'aime aussi. Où tu veux en venir? De quoi parles-tu? Ah, je n'ai rien parlé. Oh. Je n'ai rien dit. Oh, vraiment. Je peux voir vraiment que tu es stupide. Par moment, tu es vraiment stupide. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu te bénisse. Attends. C'est moi qu'elle vient d'insulter? Hein? Vraiment, c'est moi qu'elle vient d'insulter?
Comment oses-tu me déplacer le langage en tant que le portier de cette parcelle? Tu m'as bien regardé la sécurité internationale et tu viens m'insulter. Je ne te blâme pas. Oh, ma chère, je ne te blâme pas. Inutile. Oh, mon cher. Ange, ça va? Papa? Oui? Tout le monde apparaît comme s'il y a un problème. Oh, Ange, ne t'interfère pas dans nos problèmes, ok? Maman a toujours des arrière-pensées lorsqu'elle parle. La même chose avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Je sais. Écoute, ne cherche pas à tout savoir. Maman est une analyste financière et je suis ingénieur en construction. Par beaucoup de choses. Ok? Alors, ne cherche pas à tout savoir ce que nous avons comme problème. Ok, je vous crois. Merci. Alors, dis-moi, comment était l'école aujourd'hui? L'école était bien. Je sais que je serai fier de toi. Bien sûr que si, je veux vous rendre fier. Tu es vraiment ma fille. Jessica, je ne te permettrai pas de rester dans un hôtel. Je vais te le permettre juste pour aujourd'hui. Tu m'as bien compris. Merci, à demain. Merci. Ok. Ça va. Ça va. Aussitôt arrivé à la maison, tu m'appelles. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Bébé, il dit qu'il n'y a pas un appartement libre pour le moment. Au cas où il en trouve, il va m'appeler. Ok. Bébé, notre fille a remarqué aussi que tu es triste ces derniers temps. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Parlons un peu de ça. Tu planifies d'épouser une deuxième femme? Quoi? Tu demandes pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non. Bébé, je te promets que je ne pousserai pas une autre femme. Tu m'avais aussi promis que nous allons adopter un fils. Et dernièrement, quand je l'avais épinglé, tu étais vraiment fâchée. Allez, bébé. Nous adopterons un fils au moment opportun. Maintenant, c'est l'heure de donner à notre fille Ange une meilleure vie que le peut recevoir. Ok? Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi. Viens là, bébé. Toute chose ira mieux, ok? Ok.
Angèle. Oui? Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je vais bien. Je suis juste en train de réfléchir. Hein? Tu es sûre? Oui, je suis très sûre. Ok. Tu sais quoi? Créons une scène. S'il te plaît, vas-y, cache-toi là-bas. Ok. Vas-y. Vas-y, cache-toi, cache-toi, cache-toi vite. Maman, bienvenue. Comment vas-tu? J'ai une surprise pour toi. Devine quoi? Maman, je ne suis pas forte en devinette. Qu'est-ce que tu as acheté pour moi? Je t'ai acheté quelque chose de très grand qu'un cadeau. Quoi? Surprise! Ta-la-la! Que je passerai un bon moment avec toi pendant cette visite. Pourquoi? La fois dernière, quand tu étais ici, tu as fait que 2 jours ensemble avec nous, puis tu es rentrée. Je crois que cette fois-ci, tu vas faire beaucoup de jours avec nous. Est-ce que je suis claire? Oui, votre majesté. Tu es d'accord? C'est bon. Allons-y dans ta chambre, dans ta merveilleuse chambre. Je vais t'accompagner. C'est vrai ça? Oui. Alors, allons-y chérie. Oh ma petite chérie. Voilà, tu es vraiment dangereuse. Jessica? Oui? J'ai une question à te poser. Pourquoi veux-tu payer la maison alors que ça aussi c'est ta maison? Et nous c'est faire quoi? Tantine, tu as entendu? N'est-ce pas que je t'avais dit que tu aurais un grand problème avec moi? Oui, tu l'as dit. Tu ne peux pas quitter. Tu n'iras nulle part, ok? Oui, votre majesté. Bien, Ange a parlé et ça reste ainsi. Le film t'intéressait aussi? Ne vois-tu pas que tout le monde a besoin de toi ici? Je veux rester à une seule condition. Laquelle? Il faut que tu renvoies cette ménagère. Si je la renvoie, qui va faire les travaux ménagers? Oh. Elle est la seule qui peut faire ces travaux, pas d'autre personne. Grande sœur, tu vois cette fille-là? Si tu n'es pas prudente, elle deviendra ta rivale. Je l'ai déjà constaté. Et tu n'as rien fait pour ça? Je suis confuse, je ne sais que faire. Tu sais que je ne peux plus avoir d'enfant. Tu avais dit que vous êtes en train de vous préparer à faire une adoption. Apparemment, il ne s'intéresse plus. Il ne dit rien sur ce dossier. Pense-y. Réveille-toi. Comme je l'ai dit avant. Si tu ne fais pas attention, elle va te prendre ton mari. Si seulement tu n'arrives pas à faire ça, je vais t'aider à les faire. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà fini avec le dur travail. Et j'aimerais que tu fasses de même. D'accord? Je ne peux pas laisser ma sœur tomber. Ça non. Sois calme. Pense-y, ma sœur.
toujours. Pourquoi ça? Je suis une trouble fée. Si ma sœur était mon défenseur, et maintenant, elle est sans défense. C'est mon tour de la défendre. Désolée, madame, je comprends pas. Tu deviens plus qu'une bonne dans cette maison. Madame, je ne comprends toujours pas ce que vous voulez dire. Je veux que tu quittes cette maison pendant qu'il est encore temps. Parce que je ne veux pas hésiter de tuer n'importe comment quelqu'un qui va oser de devenir la rivale de ma sœur. Tu veux devenir la coépouse de ma sœur, c'est ça? Parce que je connais tout. De la bonne en épouse. Abolis-moi ces rêves. Ne dis pas que je t'ai pas averti. Quitte cette maison. Sinon, tu n'aimeras pas ta vie. Salut Desmond. Oh, Jessica, comment ça va? Je veux bien, merci. Oh, je dois prendre quelque chose ici. Jessie, ma fille. Ma fille bien-aimée, comment vas-tu? Ah, Jessie, je vais bien, oh. Hein? Jessica, j'attendais ton appel. Tu m'avais dit que tu allais m'appeler pour me dire votre plan avec David. Hein? Mais je ne l'ai pas appelé depuis que j'attendais que tu m'appelles pour que tu me donnes ce programme. Hein? Dis-moi, c'est comment alors? Oh, oh, c'est vrai ça? Oh, ok, c'est bon, je vais alors attendre ton appel. Ok, c'est bon. Merci beaucoup, ma fille. Hein? Prends très bien soin de toi. Oh. Hey, je suis la fille à maman. Eh, oh. Ok. Hey.
Attends, ça fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu aimerais jouer ici et enfin pour prendre ça? Non. Es-tu sûre? Oui. D'accord, allons-y. Quoi? 3. Ok, vas-y. Madame, bon après-midi. Bon après-midi. Je suis venue vous dire que je vais au marché. Ok, me reviens à temps, ok? Maman, j'ai observé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tante Jessica n'aime pas Tina. Personne ne déteste quelqu'un, ok? C'est bon, maman. J'ai déjà gagné des. Alors, tu joues maintenant? Des seulement, et je vais jouer encore. Encore? J'ai joué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, c'est complu. Ok. J'étais gagné. Il n'y a pas de souci. C'est mon tour de jouer maintenant. C'est toi qui allais jouer après moi. C'est mon tour de jouer maintenant. Je ne vois pas. Est-ce que tu as vu l'autre? Tu es à quel niveau? Je suis enceinte. Tu y es quoi? Je t'avais envoyé dans cette maison pour me voler les documents et non faire le sexe avec Desmond. De quoi parles-tu? La grossesse t'appartient, le bébé t'appartient. Essaies-tu de me gâcher? Ou tu penses que je ne suis pas au courant que tu sors avec Desmond? Il planifie d'ailleurs de te faire sa deuxième femme. Tu dois tout faire pour que cette grossesse soit à lui. Comment? Comment pourrais-je faire ça? Tu sais, la dernière fois que je fais l'amour avec Desmond, ça date de longtemps. Comment je vais lui donner une grossesse qui n'est pas à lui? Tu dois encore coucher avec lui. Mais tu y es. Oh mon Dieu. Écoute, je... Tu dois coucher avec lui encore. Où est-ce qu'il te rencontre souvent? Quoi? Tu es surprise comme je le sais. Je sais très bien que Desmond t'aime. Tina, Desmond s'intéresse à toi et tu dois saisir cette opportunité. Attribue-lui cette grossesse et tout sera fini. Souvent, il te prend à quel niveau? Juste par devant. Pardon, il faut que je rentre avant que madame commence à me chercher. Pardon. Ne t'inquiète de rien. N'oublie pas de laisser la chambre ouverte ce soir. Ah. Ah. La sœur de ta femme nous suspecte déjà. Pardon, ne viens plus dans ma chambre si tu veux me voir. Qu'on part dans des hôtels, pardon. Écoute, Tina. Elle va quitter bientôt, ok? Tu n'as rien à t'inquiéter. Tu es sûr? Regarde-moi. Je ne suis pas là pour te décevoir. Je vais t'épouser. Oui. Alors, tu n'as rien à t'inquiéter là-dessus. Patron, pardon. Je crois que je vais partir. Viens là.
Qu'est-ce qu'il y a? Titi n'en est pas encore revenue. Pourquoi? Ma chère, je ne sais pas ce qui la retient là-bas au marché. Mais j'ai tellement faim. Il y a quelques chips au frigo, va le prendre. Je ne veux pas ça, je veux la nourriture. Ok, va prendre mon téléphone, dépêche-toi. D'accord, maman. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Tu veux prendre quelqu'un? S'il te plaît, calme-toi. Je ne comprends pas. Pourquoi me demandes-tu de me calmer? Je peux payer cette course? Il suffit juste de te bien comporter. Chut, chut, calme-toi, ne crie pas. Pardon, ne crie pas. Attention, pardon. Ne crie pas. Maintenant, écoute. Est-ce que tu m'entends? Je ne veux te voir nulle part à côté de... C'est qui ça? C'est ma patronne, c'est ma patronne. Ce n'est pas ton boss. Non, 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 c'est ma patronne. Éteins l'appareil. Éteins-les. Vite, éteins-les, rapidement. Fils de pute, inutile. Où est-ce qu'elle m'a rejeté? Maman, essaie encore de l'appeler. Essaie, je crois qu'elle va répondre cette fois-ci. Ok. C'est maintenant éteint. Éteint? Oui. Hein? Peut-être qu'elle a perdu son téléphone. Merci Jessica, bienvenue. Merci chérie, comment tu vas? S'il te plaît, viens prendre. Oh mange. Ma soeur, comment tu vas? Tu as l'air inquiet. Depuis que j'avais envoyé Tina au marché, elle n'est pas encore retournée. Je l'ai appelée, elle a raccroché, j'appelle encore. On me dit que c'est éteint. Pourquoi? Je ne comprends pas. Moi aussi je ne comprends pas. Moi aussi. Tu n'as petit mais d'avoir un verre d'eau? D'accord, maman. Merci. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Tu sais, ma soeur, il faut quand même que tu sois autoritaire, non? Tu dois faire les choses comme la première femme de cette maison. C'est quoi cette affaire? Comment est-ce qu'elle peut sortir comme ça? Pour voir des gens. Et tu ne fais rien à propos. Les gars, quand tu frappes la porte, je crie que c'était un voleur. Femme, il a dit ça, ça c'est... Attends, attends. Elle court comme ça, c'est comme si elle est poursuivie par quelqu'un. Hein?
Bishop, prends position. Où est mon arme? Mon arme? Mon arme? Tina, qu'est-ce qui s'est passé? Hé, hey, madame, c'est une longue histoire. Mais raccourcis ça. Madame, je t'en prie, ne te fâche pas. Je ne me sens plus prête pour travailler ici. Et d'ailleurs, je ne peux pas me sacrifier. Madame, pardon, il faut que je parte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, excusez-moi. Tante Jessica, tu as une idée pourquoi? Pourquoi elle se comporte de la sorte? Honnêtement, je n'ai aucune idée. C'est tellement étrange. Sophie, elle t'a dit ce qui lui est arrivé? Elle s'est enfermée dans la chambre. Dans ces cas, tu allais casser la porte pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Madame, pardon, je suis vraiment désolée. Je sais que ce que je vais dire va vous déranger, mais ne sois pas dérangée pour moi. Je ne veux plus travailler dans cette maison. Pourquoi? Je vous dirai pas pourquoi, mais je pars. Permettez-moi de voir si elle est partie pour de bon. Ne regrette pas, ma soeur. Tu dois être heureuse. Réjouis-toi. Ah ah. Finalement. Arrête-toi là. Ouvre-moi les portails, non? Tu pars où? Ouvre-moi les portails. Oh, ma chère. Alors, je te pose la question de savoir où est-ce que tu pars avec ces sacs. Permets-moi, j'assure la sécurité de cette parcelle. Sécurité internationale. Maintenant, tu peux t'envoler, Ne me cherche pas, oh. Ne me cherche pas, je t'ai dit, si tu n'ouvres pas ces portails maintenant. Non, je vais me tourner contre toi, oh. Tu ne parles pas. Arrête ça, ouvre-moi les portails. Sinon, tu vas t'envoler. Envole-toi. Bishop, laisse-la partir. Hein, madame? Je vais te chiffler. Oh, ma chère. Ah, ah. Madame, elle est partie, oh. Juste comme ça, il doit y avoir quelque chose de sérieux, oh. Ah, ah. Oh, ma chère. Mon cher. Notre famille a accepté de prendre Tina comme deuxième femme. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui n'est pas amusant? Tu sais que quelquefois tu agis comme une femme. Alors je suis content comme tu es revenu à tes bons sens. Mon cher, c'est difficile à comprendre parce que tu n'es pas un homme marié. Lorsque tu te marieras, en fait, je vais dire, quand tu vas te marier, comment cela pèse pour un homme marié? Et qui dit que je ne comprends pas? Je comprends. Écoute, Desmond, je ne vois aucun mal pour que tu prennes une deuxième femme. Spécialement, ta femme a déjà un enfant. Écoute-moi bien, ma femme est une bonne femme. Je ne veux pas la choquer. C'est ça le problème. Desmond, pouvons-nous aborder un autre sujet? Abordons un autre sujet. Nous en avons parlé beaucoup de ces sujets. Bien, le sujet que je vais aborder, c'est par rapport à la conception de ces projets. C'est un bon projet. Bien sûr, c'est un meilleur projet. C'est comme ici. C'est volé comment là-bas? Oui, oui. D'accord, c'est bien. C'est bien. Bébé? Ah, bébé. Comment ça va? Bienvenue. Allez. Comment était passée la journée? Très bien. Ok, laisse-moi un peu me rafraîchir. Non. Tina ne travaille plus ici. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Que Tina ne travaille plus ici? Qui l'a chassée? On ne l'a pas chassée. Elle a fui d'elle-même. Comment Tina peut fuir d'elle-même? Et tu l'as laissée partir? Je veux dire, comment est-ce qu'elle a fui? Elle ne veut plus travailler ici.
et elle est partie. Y a-t-il un problème là-dessus? Non, pas du tout. Je veux dire, si elle veut quitter, elle peut quitter. Il n'y a rien comme accord, bébé. Je pense que tu as raison. Rien du tout. Je me dérange tout simplement. Je veux dire, comment nous allons nous trouver une autre bonne? Ça devient un peu difficile. Je ne pense pas qu'on en a besoin maintenant. Angèle a déjà grandi. Tu sais qu'elle n'est plus une enfant. Oui. Tu as raison, tu as raison. Oui, nous pouvons le faire de nous-mêmes. Ce n'est pas d'ailleurs important. Ok. Nous le ferons d'ailleurs de nous-mêmes. Je pars faire le dîner. Ok. Je te verrai ça après. Ça va. Hmm? Voilà le reste. Tu peux vérifier. Oui, c'est bon. Je l'ai vu. Très bonne chose, ce que tu viens de faire. Je crois qu'on aura de nouvelles très bientôt. Pour faire quoi la prochaine fois? Ne sois pas si pressé. On ne s'est jamais connu. C'était un... Elle... Elle a éteint son téléphone. Je sais là où je peux te trouver. Tu ne peux pas gâcher tous mes plans. Tu ne peux pas. Bébé, j'ai pitié de toi. Oh. Que vas-tu faire maintenant?
Oh, ma chère sœur, si je disais que j'ai un plan, je mens. Je ne sais quoi faire. T'inquiète, tout ira très bien, ok? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux? Monte dans la voiture. Et si je ne le fais pas? Tina, je suis sans pitié. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as quitté la maison de Desmond? Jux, j'en ai marre. J'en ai marre de ces gens, j'en ai marre de tout. Je suis fatiguée qu'on m'utilise, je veux quelque chose de bien pour ma vie. Tu es fatiguée. Tu es fatiguée de toutes choses, tu es fatiguée de ce que tu vis là-bas, tu es fatiguée d'être utilisée, tu veux des bonnes choses dans ta vie. Wow. Tu vas rentrer dans cette maison et tu vas me trouver les documents. Jux, pourquoi tu es si méchant? Sérieusement, je te comprends pas. Pourquoi tu es si méchant? Tu ne te soucies même pas du bébé que je porte dans mon ventre, celui qui est ton bébé. Tu t'en fous! Tina, je ne m'inquiète pas de ces bâtards que tu portes. Mes paroles sont claires. Point final. Jux, je te l'ai déjà dit bien avant que je n'irai nulle part. Ok, même si je décidais de rentrer, crois-tu qu'on va m'accepter? Laisse-moi parler à Desmond. Je vais les convaincre de te pardonner et de te faire rentrer. Si cela est fait, trouve-moi rapidement ces documents. Waouh! C'est ce qui t'intéresse, pas autre chose. Bien, je crois que je me suis bien fait compris. Je ne veux plus rentrer dans cette maison-là. Et si tu crois que j'aurai tellement peur, je vais trembler à cause de ces sextapes, publie-les. Oui! Je suis prête. Poste-le dans n'importe quel réseau social que tu veux. Je suis tellement prête. Mais tu sais cet enfant que je porte. Si j'ai donné naissance à cet enfant, sans toi, tu n'auras aucun accès sur lui. Crois-moi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Noëlle, ne suis pas cet idiot. Ha. Willy, qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît. Écoute-moi d'abord. Je ne peux pas t'écouter. Ce n'est pas moi que tu as brisé les cœurs. C'est à Jessica que tu dois parler. Ça, c'est vrai. Mais j'ai quand même essayé de la joindre, mais elle m'a bloqué. Alors que je fasse quoi maintenant? Assieds-toi d'abord. Prends place. Merci. S'il te plaît, aide-moi à la supplier. Oui, oui, je sais que j'ai merdé. C'est vrai que j'ai merdé. Mais j'ai traversé une situation très difficile. Je veux dire, Linda me faisait chanter avec une grossesse qui ne m'appartenait pas. Si tu ne l'avais pas du tout trompée, elle n'allait pas du tout faire ça. Oh, tu as raison. Mais je suis profondément désolé. Du plus profond de mon cœur, je suis désolé. Mais aide-moi à la supplier de me pardonner, s'il te plaît. Tu vas la supplier toi-même. Je veux seulement créer une opportunité de rencontre pour vous deux. Ça sera très bon, ok? C'est trop bien. Merci. De rien. Merci énormément. Il n'y a pas de souci. J'ai des trucs à faire pour le moment. Pas de problème, je suis très content.
Alors que tu passes une très bonne journée. Merci de même merci. Pour toi. Merci. Tu sais, honnêtement, si tu m'avais écouté, depuis longtemps, on n'aurait pas parlé ce langage aujourd'hui. Je pense pour le moment, ta femme l'aurait accepté. Regarde maintenant, ça devient très difficile. Tu as raison, je vais chercher comment les résoudre pour mettre la paix. Sois sûr que tu les ranges bien. Sûr, je les ferai. Alors, est-ce que tu as besoin d'une autre bonne? Je peux t'aider pour trouver une autre. Comme maintenant? Bien sûr. Honnêtement, Chux, je ne pense pas si c'est une bonne idée. Ma femme ne le permettra pas. Vraiment, le moment n'est pas opportun. As-tu besoin d'un verre de whisky? C'est mieux un verre d'eau. Allons-y, messieurs. Ok, le soleil est accablant. Oh! Comment cet homme de contrat? Est-ce que tu l'avais appelé? Oui, je l'avais appelé, je l'avais appelé. Il avait dit que c'est vraiment cher. C'est cher, on n'avait pas vraiment accepté. Je vous appelais ici pour vous dire que l'interview que j'avais fait s'était bien passée. Oh, waouh! Félicitations! Mes félicitations! Merci. Donc, je veux partir. Pourquoi? Pourquoi? Je veux dire que ce n'est pas une raison pour toi de nous quitter. Mon bureau est trop loin d'ici. Et à part ça, j'ai déjà loué un appartement. Oh, c'est très vite. Oui, très vite. Pas de problème. Nous te souhaitons toutes les meilleures choses. Merci. Angèle, comment tu es assez calme? Je le savais déjà. Je le savais déjà. Angèle avec son amoureuse de tante. Voilà. C'est pour vous êtes très de bon. Terrible. C'est pour de bon. C'est pour la vie. Bébé, nous devons quand même les célébrer. Attendez-moi que j'amène une bouteille de vin. Quelqu'un était dans mon bureau aujourd'hui. Qui? David. Qu'est-ce qu'il veut? Une seconde chance. Il avait cette chance, mais il a perdu. C'est trop tard maintenant. Le David avec qui j'ai parlé aujourd'hui était très désespéré. Je pense que je dois lui accorder une chance. Il est vraiment désolé. Grande sœur, oublie David, non? Ce gars était manipulateur. Et d'ailleurs, ma sœur, j'ai rencontré quelqu'un d'autre maintenant. C'est vrai? Et je ne suis pas au courant. Comment s'appelle le monsieur? Bientôt. Jessica, peu importe. Donne-lui une seconde chance. Le David que j'ai vu aujourd'hui a totalement changé. Ok, je vais essayer de voir sur ça. Ok. Bon. Bonne nuit. On se voit demain. Laisse-moi te porter aujourd'hui comme...
Bébé, comment allons-nous faire ici? Bébé, je pense que nous ne venons que d'arriver maintenant. Attends d'abord que j'essaie de voir ce qu'elle est en train de faire, d'accord? Il n'y a pas à attendre. Tu dois aller lui dire, sinon je vais t'aider à les faire. Non, bébé, tu n'as pas à faire ça. Salvia aura un cœur brisé et sera très dévastée. Après, de toutes les façons, elle va comprendre. Je la connais. Dis-moi un peu comment tu veux que je fasse ce boulot. Je veux que vous l'effrayiez de vivre dans cette maison. Faire tout pour qu'il quitte la maison de Desmond, sinon elle mourra dans les jours à venir. Et puis c'est fini? Je vais t'envoyer les détails restants sur WhatsApp. Fais en sorte qu'elle croit que tu connais tous de ses mouvements. Tu peux toujours compter sur moi. Ça c'est une très petite chose. C'est une petite chose. Tu as déjà ta part pour exécuter le boulot. Salut. C'est fait. Je te retrouve après. Je te verrai après. Oh, Jessica. Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial, je fais seulement un petit travail de l'informatique. Ok. Je te souhaite le meilleur, ok? Merci. Je t'en prie. Salut les amis, bonjour. Oh oui, je me suis réveillée comme ça. Ne suivez pas ça. Je me suis réveillée avec le maquillage. Je sais que c'est mauvais, mais... Grande sœur, bonjour. Bonjour, très tôt matée comme ça. Oh, regardez. Salut. Ma grande sœur. Ok, je vous reviens. Oh, attendez un peu. Écoute, je vais déjà au boulot. Je vais aussi déposer Angèle à l'école. Fais le petit déjeuner pour mon mari, s'il te plaît. Grande sœur, tu peux me demander n'importe quel service. Mais pour ton mari, oh non, ne fais pas ça. Tu sais que je n'aime pas ton mari. Laisse-moi vraiment te dire que tu n'as pas de choix. Il est ton beau-frère, alors fais le petit déjeuner pour lui. Je m'en vais au boulot. Au revoir. J'ai le choix, oh. Je n'aime pas ton mari et tu me donnes des services à lui rendre. Je n'aime pas ça, oh. Je sais quoi faire. Ok, mes chers, permettez-moi de vous montrer les environnements. Salut, monsieur Desmond. Hey, Jessica. Bonjour. Bonjour. Je crois que tu as bien dormi. Oui, j'ai bien dormi. Je pense toi aussi. Oui, c'est ça. Ok. Ta femme m'a demandé de jouer son rôle ce matin. Et maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais manger pour le petit-déj. Tu es amusante. Je vais dire, je n'ai pas le choix. Peu importe. N'importe quoi ne tient pas avec moi. Il faut le dire.
Le pain, le thé et tout ce qui y va. Ok. Le pain, du thé, ça c'est bien. Et j'ai encore une autre requête. Votre Majesté de m'accompagner romantiquement à la cuisine. Oh, pas de problème. Sa Majesté royale, je suis derrière vous. Oh, merci, Son Excellence. On se voit. Ok. Hey. Tu m'as juste prouvé que tu es un mari romantique. Oui, ta sœur n'a jamais aimé de l'accompagner à la cuisine. Permets-moi de te dire quelque chose sur les filles. Tu vois, nous les femmes, nous faisons semblant. Si je t'ai dit de ne pas venir à la cuisine, cela voudrait dire reste assis. C'est vrai? Oh, je ne le savais pas. Yeah. Ok, j'attends alors le petit déjeuner, chérie. J'ai presque fini. Ok. Maintenant. Où sont le plateau? Où est-ce que ma grande sœur dépose ça? Ok, je vais les porter comme ça. Merci. Je t'en prie. Pardon, assieds-toi, déjeunons ensemble. Je ne mange pas très tôt comme ça. Et d'ailleurs, mon devoir en tant que ta jolie femme est fini. Waouh, nous sommes encore le matin. Et en plus, tu m'avais dit que ma femme t'avait demandé de jouer son rôle. Ça, c'est vrai. J'en ai fini d'être ta femme. Peu importe. Tu toques à ma porte quand tu vas finir de manger. Comme ça, je vais venir nettoyer ici. Ça va. Bon appétit. Mon mari des circonstances. Ok. Je t'avertis. Tu es sûre de ce que tu dis? Bien. Voyons. Ok. Ok. Dernière carte. J'ai... Tu es sérieuse? Je te l'avais dit. Bon, essayons un autre jeu. Comme quoi? N'importe quel, il n'y a pas de problème. Vrai ou faux? Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai jamais joué. Ok. Vrai ou faux? Vrai. Quel est le dernier jour où tu as fait un amour intense? Deux nuits passées, j'étais avec ma belle femme, ta sœur. C'était bien. Oui. C'est bien, ça va. Vrai ou faux? Faux. Oh, ok. Je ne veux pas que tu partes. Je veux que tu restes longtemps. Ok, c'est bon.
Vrai. Quelle est la dernière fois que tu as trompé ta femme? Non, je ne la trompe pas. Je veux dire, j'ai été fidèle avec ma femme qui est ta sœur. C'est vrai? Oui. Ok, vrai ou faux? Vrai. Quelle était ta dernière fois que tu étais à l'église? 2 mois passés. 2 mois? Maman m'avait laissé de partir seule à l'église. Juste après mon retour au village. C'est tout à fait une éternité. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu vis en ville sans aller à l'église? Laisse-moi tranquille. Ok, allez-y alors. Et maintenant, vrai ou faux? Je prends la main. Tu es sûr? Maintenant, je veux que tu m'amènes dans ta chambre et m'assieds. C'est mon corps sur ton lit conjugal. Je te défie. Tu avais dit faux. Je pense que tu avais écouté. Je répète. Amène-moi dans ta chambre et tu vas me masser sur ton lit conjugal. Tu le veux que ça se passe maintenant là? Maintenant. Et nous allons rentrer pour continuer. Je te défie. Hey! Attends, où? La petite sœur de madame est toujours bloquée à l'intérieur, comme un renard qui veut voler les œufs. Hein? Attends, de l'autre côté, je trouve que les patrons ne partent plus au travail à temps de la manière dont ils partaient avant. Hey! Que ça soit pour une autre raison. Que ça soit pour une autre raison. Parce que moi, qu'elle ne pense pas que je ne sais pas jouer la balle quand la maman n'est pas là. Regarde ici et de l'autre côté. Jessica. Est-ce que ça va? Je ne le suis pas. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi, nous devons parler. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte de 3 mois. Tu as quoi? Tu t'es juré de moi, n'est-ce pas? Je ne blague pas, mais tu dois être heureux. Écoute, Jessica, nous devons avoir cette conversation. Tu sais quoi? Arrête, tu sais... Viens comme ça. Nous allons parler de ce problème. Allez, Jessica, comment tu peux permettre que ceci arrive?
au moment où je suis avec ta sœur. Ma sœur ne peut plus tomber enceinte de toi. Et moi, je le suis. Ok, oh. Allez, Laetitia, ça ne se fait pas. Ce n'est pas du tout bien. Oh, arrête de me prêcher sur la morale. Oh, tu penses que je ne savais pas que tu sortais avec Tina, notre boniche? Et tu voulais même le poser. Allez, Jessica, c'est tout à fait différent. Comment je peux expliquer à ma femme que tu portes mon enfant? Laisse-le-moi. Jessica, tu planifies à détruire cette famille? Toi, attends un peu, je vais te poser une question. Veux-tu que je fasse un avortement? C'est ce que tu veux? Et d'ailleurs, j'étais allée à l'hôpital et on a confirmé que mon bébé est un garçon. Mais pas de problème, je veux faire un avortement. Je ne veux plus porter ce bébé. Non, tu ne dois pas le faire. Ne t'approche pas de moi. Non, tu ne dois pas le faire. Pourquoi ne pas le faire? Écoute, ok, ça va. Tu es sûr que c'est un garçon, n'est-ce pas? Ok, je vais prendre la charge. Je vais te chercher un appartement et je vais juste... Comment le dire à ma femme? Fais-le très rapidement. Bébé, tu penses que ça sera facile? Elle est ta grande sœur, pour l'amour des dieux. Arrête! C'est pas un problème. Ok, pendant combien de temps vas-tu le garder? Tôt ou tard, elle le saura. N'est-ce pas bien de le dire bien avant? Chérie, arrête. Écoute, je vais lui dire si tu n'arrives pas à le faire où. Arrête. Oh, bébé. Oui, allô? Je vais aller visiter tante Jessica ce week-end. Ok, comme ça, je veux l'appeler pour qu'elle sache quand même qu'elle va recevoir une visiteuse. Je ne suis pas une visitée, je suis un enfant de la maison. Oui, je suis un enfant de la maison. Tu as raison, mais tout le monde a besoin d'un temps privé. Je connais tout ça. Et je sais que tu vas encore m'aimer beaucoup, pas comme maintenant, maman. Ok, bien. Arrivons d'abord à la maison. Tu dois le dire à ton père. Bien sûr. Bien sûr, je vais le faire. D'accord, c'est bien. Ok. Oui. Oh. Vraiment. Maman. Allô, maman. Salut. Nemo, comment vas-tu, ma fille? Maman, je vais bien, et toi? Ah, ma fille bien-aimée, je vais bien. Et toi, comment vas-tu, ton mari ainsi que ma petite fille? Maman, ils vont bien. Je t'avais appelé la nuit dernière, mais tu n'avais pas pris le téléphone. Hey, ma fille, s'il te plaît, excuse-moi. J'avais dormi, oh. J'avais vu les appels manquer quand je m'étais réveillée. En tout cas, excuse-moi, ma chérie, pardon. Hein? Comment va ta sœur, Jessica? Elle a trouvé un travail et elle a eu un appartement. Hey, Jimo, c'est vrai? Hey, Seigneur, merci, oh, je suis très contente. Tiens, comment va son fiancé? Hein? La dernière fois lorsqu'on a parlé, elle m'avait dit que très bientôt, son fiancé viendra. Maman, ils se sont déjà séparés. Que veux-tu dire par là? Explique-moi un peu. Maman, ils ne sont plus ensemble. Ils se sont séparés. Oh... Je ne savais pas, il n'y a pas de problème. Hein? Chai, ça veut dire que je dois l'appeler. Pas de problème, maman. Prends soin de toi-même. Ok, ma fille, merci énormément d'avoir pensé à moi, oh. J'appelle ta soeur maintenant. D'accord, maman? Bye. Ha! Oh! Oh! Que je l'appelle d'abord. Ça signifie quoi, ça? Hein? Ah ah, ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, ce n'est pas disponible.
Je vais lui rappeler même après. Hey! Oh! Ha! C'est compliqué la vie, oh! Hey! Chérie, est-ce que tu vas bien? Oui, bébé, je vais bien. J'étais vraiment occupée aujourd'hui. Comment ça va? Je vais bien. C'est bon. Tu apparais belle. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Hein? Raconte, chérie. Il y a beaucoup de choses. J'ai un nouveau contrat. Bonjour. Papa, bienvenue. Comment ça va? Je peux aller visiter tante Jessica ce week-end. Non, pas de visite. Pourquoi, papa? Tu es une sourde? J'ai dit pas de visite dans ta chambre. Ah, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Je pars dans ma chambre. Ah! Y a-t-il un problème? Bébé? Bébé? Quelle bêtise! Bébé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein, bébé? C'est quoi? Est-ce que c'est un crime de gueuler ma fille? Tu n'as pas gueulé sur elle. Tu l'as blessée. Oh, c'est vrai? Oui. Tu sais quoi? Je n'ai pas le temps de continuer avec toi. Je dois me reposer. Pardon. Elle est juste une enfant. Oh, c'est vrai? Oui. Elle est encore enfant. Elle a 9 ans. 9 ans, ok? J'ai besoin de me reposer. Ce n'est pas encore fini, bébé. Bébé, reviens ici. Bébé. Angèle, viens, ok? Ne pleure pas, ma chérie. Hein? Arrête de pleurer. Maman. Hein? Est-ce que papa me déteste? Bien sûr que non. Papa ne te déteste pas, ok? Il a juste passé une mauvaise journée. Hein? Ma chérie, s'il te plaît, calme-toi. Ça suffit. Hein? Maman t'aime beaucoup ainsi que papa, tu le sais bien. Ok? Arrête de pleurer. Hein? Maman aime beaucoup Angèle. Hein? Et papa aussi aime Angèle. Je suis désolé de ce que j'ai fait hier. Je suis vraiment désolé. Je retire mes paroles. Je suis profondément désolé. Pardonne-moi. Tu ne m'avais pas blessé, mais tu l'avais fait à notre fille. J'ai compris. C'est moi qui vais l'amener à l'école aujourd'hui. Je vais lui présenter mes excuses. C'est bien. Alors, quand est-ce qu'on va en parler? Tu es resté enfermé pendant un très long moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, c'était une mauvaise journée pour moi. J'avais perdu les contrats. C'était un contrat de 300 buildings. D'ailleurs, je ne veux pas en parler. C'est au moins ça. Ne te dérange pas. Un autre contrat viendra, t'inquiète. Je le souhaite aussi. Je m'apprête pour le boulot maintenant, alors. Je te regarde comme tu te maquilles.
Tu es toujours belle tous les jours. Ne cherche pas à me retenir. Je pars au boulot, ne le fais pas, je t'en prie. Tu apparais vraiment très belle, chérie. Comme tous les jours. Merci. Tu es très belle comme si tu as été créée. Oh. Tout comme ma fille. Non, toi. Oh. Love is no more, only hatred and betrayal. Oh, humanity is gone, compassion is no more. Oh. Bon après-midi, Sophia. Ah, David, bon après-midi. Comment vas-tu? Désolée de ne t'avoir pas appelé. S'il te plaît, prends place. Pas de problème, pas de problème. Merci. De rien. Oui. D'accord, merci. Je suis venu partager une information avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? David, je t'écoute. D'accord. Je ne veux pas aller par quatre chemins. Mais je suis juste venu te dire de ne plus te déranger dans cette affaire qui me concerne et Jessica. D'accord? Pourquoi? Parce que je me suis passé. Alors, merci de ton implication. Merci énormément, d'accord? Là, je m'en vais. Angèle. Oui, maman. Tu avais dit que tu voulais discuter avec moi. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Quand papa était venu me prendre à l'école, il a présenté ses esquisses et il m'a pris une somme rentrée. C'est ce que je t'avais dit. Mais je vais maintenant dire, je vous avais demandé d'aller voir tante Jessica, oui. Mais il m'a dit que ce n'est pas encore le moment. Ma question est celle-ci, c'est quand le bon moment? Écoute, Angèle, ton papa pense qu'il est encore très tôt pour toi d'aller en vacances chez tante Jessica. Tu sais qu'elle vient à peine de trouver cet appartement. Mais ces trois jours ici, il a tellement changé. Bon, chérie, s'il te plaît, il est temps de dormir. Dors bien. Bisous. C'est bon, maman. Ouais, bon sommeil, ma chérie. Bisous. Bye. À demain, chérie. Pareil. Je t'aime. Je t'aime. D'accord. Bye, chérie.
Allô, David. Peux-tu venir à mon bureau demain? Ok, merci. Je vais t'attendre. Chux, je veux savoir quelle est l'implication traditionnelle d'épouser des sœurs de même famille. Je ne pense pas qu'il y ait l'implication traditionnelle. Unique chose, c'est l'implication de la morale. Ok, alors quelle est ta proposition? Si je le fais sans pour autant associer ma famille, j'ai un plan, une bonne stratégie, mais Jessica doit beaucoup jouer pour que ça tienne. Ok, je t'écoute. Ok. Jessica doit aller à sa famille et leur dire qu'elle a quelqu'un. Oui, un homme qui a les affaires à l'étranger. Et ça tombe que c'est ton cousin. Dans ces cas, tu seras appelé pour le représenter. Traditionnellement, Jessica doit t'offrir à boire et tu vas payer sa dot. Si tu finis, tu dois lui trouver une maison ailleurs. C'est alors que tu peux faire ton travail en tant que contractant, d'y partager ton temps entre ta femme et Jessica. Si tu as fini, je pense que ça peut te servir pendant un moment. Avant que ça devienne une société. Voilà un peu ce que je peux te donner comme conseil. Alors focalise-toi. Qu'est-ce que tu penses? Je suis venu à cause du respect que je porte pour toi. Mais si c'est juste à cause de Jessica, s'il te plaît, je ne suis pas intéressé. Oui, j'ai merdé. Je suis d'accord avec ça. Mais nous nous sommes tous passés. Nous nous sommes passés. David, pourquoi étais-tu venu à mon bureau hier? Je ne comprends pas. Je veux dire, je suis toujours venu pour te dire de ne plus te déranger dans cette affaire qui me concerne, moi et Jessica. Chose que je viens tout juste de respecter. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Tu es en train de mentir. Tu étais venu me dire quelque chose de très important, hein? Mais tu avais changé ton idée. C'est quoi le problème? Je ne sais pas de quoi tu parles. Es-tu sûr que ces plans vont réussir? Ça va réussir, bébé. Juste faisons-les, ça va réussir. Très bien. Hé! Hey! Attends! Reste là. Tu as peur de quoi? Dites-moi que je suis en train de rêver. Bébé, je peux m'expliquer. Jessica, c'est la raison pour laquelle tu as refusé d'accorder une seconde chance à David. Bébé, je suis désolé. Explique-toi, hey! Toi, coureur de jupons. Qui t'a permis? Sophie, qui t'a permis de gifler mon mari dans ma maison? N'essaie plus de faire ça, oh. N'ose plus. Regarde-la. Comment elle peut réagir de la sorte au lieu de me remercier que je prie soin de son mari? Sophie, remercie Dieu parce que c'est ta jeune sœur qui essaye de devenir ta coépouse. Et j'ai aussi essayé de tomber enceinte de ton mari. Comme tu n'arrives plus à lui donner des enfants. Non. Ne sois pas vexée, non? Il n'y a rien à se vexer là. Tu veux qu'un beau gars comme ça reste seulement avec un enfant? Est-ce normal, ça? Bébé, regarde le bon côté, non? Bébé, je suis désolée.
Il a fallu que tu me remercies, ma grande sœur. Grande sœur, il faut me remercier. Il n'y a pas raison de faire une crise. Il ne faut pas faire ça. Regarde, dans 9 mois, je vais donner un enfant à ton mari et nous serons tous heureux en train de célébrer. Bébé. Oh mon Dieu, je suis finie. Chérie, tu n'es pas finie. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Yeah. Écoute, pour l'amour de Dieu, c'est ta sœur. C'est bien elle que j'aime, ok? C'est pas un problème. Elle est de ma famille, je connais les réalités. Regarde, c'est une réalité qui est arrivée. Laisse-la rentrer à la maison et réfléchir à ce qui est arrivé. C'est pas un rêve. Et maintenant, toi aussi, calme-toi parce que... Oh mon bébé, oh. Elle va rien faire. Tu es mon mari maintenant, viens. Chérie, viens, laisse-la. C'est déjà arrivé. Hey! Désolée, bébé. Désolée. Fais bisous à mon ventre, à mon ventre. Fais bisous à ton bébé. Jessica, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle va devenir ta belle-mère. Quoi? Comment elle le deviendra? Je ne comprends pas. Explique-moi, maman. Je t'avais dit que tu n'allais pas comprendre. Angèle, s'il te plaît. S'il te plaît, ne pleure pas. Je ne peux rien comprendre. Ange, je sais que ce que je vais te dire, ça ne te donnera pas la paix. J'étais perdant. Mais je veux à ce que tu me comprennes à ce sujet. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Pas du tout. C'est moi-même qui ai perdu la discipline. Et Jessica en a saisi l'opportunité. Je suis désolée. Elle a pris l'avantage du fait que... tu es en train de planifier d'avoir une deuxième femme. Ça, c'est vrai. Alors, dis-moi. Qu'est-ce que je vais expliquer au monde? Qu'est-ce que je veux dire aux gens? Que ma sœur est devenue ma co-épouse? Desmond, tu as tué mon esprit. Désolée.
Désolée. N'ose pas me toucher. Désolée. Je suis désolée. I give you all the glory. I give you all the glory. I worship you, Shimarohim. I Ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Maman! Ah, maman! Sophia, pourquoi est-ce que tu pleures? Arrête. Maman! Arrête, maman! Viens, t'asseoir. Viens, ma fille. Hein? Maman! Mon mari est sur le point de trouver une autre femme! Maman! Arrête de dire des bêtises, viens d'abord t'asseoir. Viens t'asseoir, ma fille. Hein? Viens d'abord t'asseoir, Sophia. Hein? Arrête de dire ça. Quoi? La personne en question, c'est ma sœur Jessica. Bien, 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 bien. Arrête de dire ça. Je n'aime pas des bêtises. Je n'aime pas de géo. Oui, maman. C'est quelle bêtise? Au moment où nous parlons, Jessica est enceinte de lui, maman. Maman, Jessica m'a tué. Maman, Jessica m'a tué. Maman, je te dis, je n'arrive pas, maman. Je suis arrivée au bout. Maman, j'ai très mal au cœur. Maman, oui. Maman, s'il te plaît, calme-toi d'abord. Comment je peux me calmer? Comment veux-tu que je reste calme? Comment peux-tu me dire ce genre de choses? Je veux vraiment la voir. Je veux qu'elle me regarde droit aux yeux et qu'elle me dise exactement comment est-ce qu'elle pouvait faire ce genre de choses. Elle doit regarder les yeux de sa mère. Et qu'elle me dise pourquoi. Maman, s'il te plaît, maman, arrête de pleurer. Maman, arrête de pleurer. Maman, s'il te plaît, arrête de pleurer. Maman, s'il te plaît. Elle m'a disgracée. Tu ne vois pas. Qu'est-ce que... Non. J'ai entendu ta sœur dire à Ange qu'elle va aller au village. C'est vrai? Oui. Cela voudrait dire? Nous devons entendre l'appel de maman. Ne dis pas ça. Je suis là en personne. Hé, maman. Bienvenue, maman. Ferme ta bouche et n'ose plus jamais me le dire dans cette maison. Maman, s'il te plaît, assieds-toi. Peux-tu la fermer? M'asseoir pour faire quoi? Je suis venue pour que tu me regardes droit aux yeux et que tu me dises pourquoi est-ce que tu as fait ce genre de choses en faisant du mal à ta sœur. C'est arrivé comment? Maman, ce n'est qu'une erreur. S'il te plaît, il ne faut pas prendre ça de cette façon. S'il te plaît, assieds-toi. Je maudis le jour que je t'avais enfantée. Maman, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi me maudis-tu, non? Suis-je la première personne? Non, maman, arrête ça, non? Arrête ça! Peux-tu la fermer? Tu as une bouche pour parler? Écoutez-moi bien, je ne veux plus voir l'un de vous près de ma maison. Et quant à toi, je ne vais jamais une bénédiction à ce stupide démoniaque relation que vous avez. Arrête ça, je vous vois, ils sont... Maman, pourquoi tu es si méchante? Qu'est-ce qu'il y a? Maman,
Bébé, viens. Je te l'avais dit. Abandonne, maman. Je t'avais dit que celle-ci, ce n'est pas une bonne idée. Maman, s'il vous plaît, maman. Ah. C'est quoi ça, cette affaire-là? Je ne veux pas abandonner cette maison. Tu es mon mari, tu resteras mon mari. Laisse maman partir, non? Je veux me marier. Oh, c'est d'ailleurs bien pour nous. Dégage-moi vite d'ici. Partons d'ici. Dégage-moi d'ici. Dégage-moi hors d'ici. Tu veux faire le divorce? Je pense que je saurai. Ça, c'est mon résultat d'examen de grossesse. Je suis enceinte. Quoi? Tu ne peux pas. As-tu oublié ce que le docteur avait dit? Tu ne peux pas être grosse. C'est un risque. C'est ce que le docteur avait dit. Après 9 mois, nous saurons ce que Dieu va dire. Si je meurs, je m'en fous. D'ailleurs, tu as déjà une deuxième femme. Aie pitié, mon Dieu. Dieu, aie pitié. Maman, tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu auras bientôt un petit frère. Je sais, de tante Jessica, c'est ça? Non. De moi. Mais comment vous pensez que le docteur avait dit? Je suis sûre que Dieu va parler différemment au moment opportun. Oui, je sais ce que Dieu n'a jamais fait, n'existe pas. Merci, mon ange. Maman. Je t'aime aussi, je mon ange. Je suis très heureuse, maman. Moi aussi, je suis très contente. Desmond, pour l'amour des dieux, j'ai besoin de passer plus du temps avec toi. J'attends ton bébé. Sophia a également besoin de mon affection. Oh, je sais. Elle est enceinte. Quoi? Oui, tu m'as bien écouté. Elle porte mon bébé. Elle a également besoin de mon affection. Mensonge, elle ne peut pas être grosse. Non, je ne te mens pas. Desmond! Excuse-moi. Sophia ne peut pas être grosse. Ça, c'est pas vrai. Je sais pas. Où est ton numéro, non? B-A-Y. Oui. Je vais appeler. Prends ton appel, prends ton appel. Bruno. Bruno, pardon. Je sais que j'ai mal réagi. J'avais dit que je n'aurais plus besoin de toi. J'avais tort. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Calme-toi, non? Que je te retrouve où? Oui, au croisement, là.
Ok, j'arrive. Merci. Hey! Maman, elle sera une fille ou un garçon? Toi, tu veux que ça soit qui? Je ne sais pas, peu importe les sexes, je serai toujours contente. Ok. Mon amour, mon ange. Oh, maman chérie. Je crois que lorsque mon frère ou ma soeur viendra au monde, tu ne vas plus m'aimer comme ça. Oh! Et tu vas partager notre amour. Jésus! Tu seras toujours ma première. Es-tu sûre? Oui, mon bébé. Je t'aime, maman. Je t'aime, mon bébé. Après l'avoir kidnappé, vous allez nous appeler pour la rançon. Je veux m'arranger que mon mari paye cette rançon. Et dès là, faites un effort de l'injecter le poison avant de la relâcher. Madame, mais pourquoi juste ne pas la tuer une fois pour toutes et puis on passe à autre chose? C'est mieux de la tuer une fois pour toutes. Pas de pitié, ou? Nous n'avons pas de temps à perdre. Une fois que nous arrivons à la kidnapper, pourquoi juste ne pas la tuer une fois pour toutes? Le poison va faire l'affaire. Elle va tomber malade et mourir à petit feu. Hey. Voilà ce que j'attendais. J'ai compris maintenant. Maintenant, je comprends. C'est bien. Maintenant, je comprends très bien. C'est bien, c'est bien. J'ai deux fois plus compris. Madame, je crois que tu connais un peu comment ça se passe. Je crois que tu comprends que tu me dois encore quelque chose sur mon compte, en paiement. Votre salaire sera de 3 millions de naira. Chai! Non, ce n'est pas vrai. Avez-vous entendu? Comprenez-vous que chacun aura 1 million? Non, mes potes, allons rapidement faire ce boulot. Feu! Arrêtez-vous là! Venez. Avancez vite, avancez. Avancez. Avancez, avancez, avancez. Vite. Avancez. Allez. Vite. Vite, avancez. Ne perdez pas mon temps. Avancez, avancez. Bébé. Non, c'est pas vrai. Ne pleure pas, bébé, tu vas te faire mal, pardon. Ne te fais pas du mal, tu n'es pas en bon état pour te faire tout ceci, pardon. Non, tu me demandes de me calmer. C'est ce que tu me dis, j'ai perdu ma jeune soeur et tu me demandes de me calmer. Ah non, c'est pas vrai. J'ai totalement compris ce que tu ressens. Mais elle était ensemble avec les gens pour planifier un plan maléfique contre toi. Oh, les dieux miséricordieux! Oh, les dieux miséricordieux! Tu l'as mis dans une situation horrible. En tout cas, c'est à cause de toi. Je te blâme pour ça. Tu as tué ma jeune sœur. Oui, c'est toi, je le sais. Despo, tu as tué ma jeune sœur. Bébé, je suis désolée. Je suis totalement désolé. Je comprends totalement ce que tu ressens. Pardon, pardonne-moi, je suis profondément désolé. Ok. Desmond, je te préviens. Desmond, je te préviens au nom de n'importe qui. Reste loin. Reste loin de moi. Va-t'en. Va-t'en. Tu... Qui a tué ma jeune sœur? Sors d'ici! Quitte ma vue maintenant! Desmond, sors! Je te maudis, Desmond! Je suis désolé. Tu ne seras jamais en paix! Tu ne seras jamais en paix, Desmond! Désolé! Je te hais! Je pensais changer Desmond, un moment, je mais malheureusement, désolé! Mon cœur, t'es méchant! Alors dégage! Desmond! Dégage de ma vue, je refuse, je te maudis. Tu as besoin d'un verre d'eau? Va-t'en, je refuse. Dégage de ma vue. Pars et ne reviens plus, Desmond.
Jessica. Allô? Quoi? Hé, hey, arrête-toi là, arrête-toi là. Monsieur, monsieur, tu es arrêté. Ne bouge pas, tu es arrêté. Avance et entre vite dans ta voiture. Entre là-bas vite. Ouvre, tu entres. Entre vite. Vite. Ça va. Jessica, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi peux-tu me faire ça? Maman, ça va. Dieu sait le pourquoi. Dieu sait le meilleur. Hey, tu mens. Arrête de pleurer, sois forte. Je pense qu'elle a payé de ce qu'elle avait fait pour que vous restiez calme. Je sais. Oui. Ça va. Regardez ce qu'elle avait fait. Partager même avec sa soeur. Hey. Maman, ne questionne pas non. Dieu. Hey. Maman, okay. Ça va. Arrête non, ça. Non. Ok. Hey. Je sais que vrai. Ça fait mal. Merci Jésus, merci. J'ai un garçon maintenant, j'ai un garçon. Oh. Ange, regarde ton frère. Nous t'aimons, nous t'aimons. Oui. Viens là. Ah, merci Seigneur Jésus. Je suis désolé. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.